is coming. I am convinced. Now I must convince the others. We have seen the longer winters. We have felt the limits of the sharing. Our planet is changing. We must change with it. We must leave the forest. Start again. Explore and reach out. We must find new ways. Adapt. Learn. For if not, we will perish. And that will not happen while I wear the crown. Et salut à tous, salut à toutes, c'est DRK36 pour une nouvelle série Let's Play sur Endless Legend. Un jeu qui est sorti en septembre de l'année dernière et qui a eu déjà quelques petites extensions, certaines gratuites et d'autres payantes. Là vous voyez que j'ai débloqué Crogelé, qui est une extension qui rajoute quelques quêtes. Et en plus de ça, il y a surtout l'extension Guardians qui est sortie, c'était quoi, fin avril, sauf erreur, enfin il y a un mois et quelques, que j'avais acheté. J'avais un peu joué au jeu, à peine une trentaine d'heures, mais j'avais pas pu plus me plonger que ça là-dedans. Maintenant j'ai un tout petit peu plus de temps, je vais débuter cette série Let's Play. Maintenant, tout de suite. J'ai pris une difficulté normale, je connais pas encore tout à fait bien le jeu, mais je compte sur vous pour m'y aider, n'est-ce pas Marquis, hein? Il me semble que tu connais aussi le jeu, donc si je me fourvoie ou que je fais n'importe quoi, je suis sûr que tu seras là ou d'autres pour me rappeler à l'ordre. Alors, c'est un jeu de stratégie 4X, science fantasy, science-fiction, qui se déroule sur un monde qui s'appelle Auriga, qui est en train de se mourir. Voilà, il y a des bouleversements climatiques, une alternance de été, printemps et d'hiver qui sont rudes, avec toutes sortes de malus. Et chaque faction, il y en a une dizaine, doit survivre dans ce monde en conquérant des territoires, en les administrant, en asservissant ou en détruisant les factions mineures qu'on peut y trouver, et puis en s'alliant ou en faisant la guerre avec les autres joueurs. En l'occurrence là, il y aura 4 autres IA. On est sur un monde pangé avec une mer centrale, et j'ai pris la faction des Indomptés, qui est une faction assez classique, on va dire, qui ressemble un peu à des elfes, je trouve, et qui sont relativement bons au niveau de la production. J'ai beaucoup hésité à prendre les Déchus, qui est une nouvelle faction, si j'ai bien compris, qui ne se nourrit pas comme les autres, qui n'a pas de point de nourriture, mais qui se nourrit de dust, c'est-à-dire, ici, on appelle ça de la brume en français, qui est une des... c'est de la brume, voilà, qui est en fait l'argent du jeu et qui sert à différentes choses, et cette faction-là s'en nourrit, et un gameplay un peu différent. Donc, peut-être que je ferai une autre série avec cette faction-là, qui a l'air très intéressante. Alors, de ce que j'ai compris jusqu'à maintenant, là, on débute le jeu avec 2 chasseurs, 2 unités guerrières et un colon, et il s'agit de fonder sa première ville colonisation. Donc, en faisant comme ça, je vois ici le rendement total que j'aurai si je fonde ma ville à cet endroit-là. Donc, 12 en nourriture, 10 en production, 3 en science et 1 en brume. Si je déplace un peu plus loin, ouais, là, on s'en rend compte assez rapidement, c'est peut-être un poil mieux ici. J'ai pas de... Là, il y a... Ouais, c'est pas mal, là. Hein. 12, 13, 6. Ouais, je crois que c'est même le meilleur... Ouh, là, il y a beaucoup de nourriture. J'ai peu de production. C'est quand même important d'avoir une capitale qui produit beaucoup au début. Ouais, on va les fonder là-bas. Voilà, c'est parti pour notre première ville. Qui s'appelle Erad, on la renommera peut-être un peu plus tard. La population est satisfaite à 60%, j'ai la croissance dans 3 tours d'un citoyen en plus. Là, c'est les améliorations construites entraînent des frais, donc je suis à moins 10 par tour. Là, j'ai un citoyen que je peux assigner soit pour la nourriture, soit pour la prod, soit pour la science, etc., etc. Au début, là, je vais mettre pour la nourriture pour croître rapidement, puis en mettre un deuxième pour la production. Donc voilà, on peut comme ça gérer de manière un peu plus fine, un petit peu de micro-gestion de chaque ville.
Le centre d'élevage, ça c'est différentes constructions qu'on peut faire là au tout début. Donc le centre d'élevage, c'est pour avoir plus de nourriture par citoyen sur la ville. Et ça coûte de l'argent, évidemment. Amélioration monument au fondateur, ça donne un menu général. Moi je commence par ça en général. Je dis beaucoup de fois général là, il me semble. Donc ici là il y a des... Voilà, bon ça c'est pour me dire que j'ai les gros gelés. Ajoute la faction mineure Geldrius, le héros Draken Namkan et les traits de faction un champ de glace et puis c'est tout. Débloqué par les packs Founder ou Empereur que j'ai acheté. On verra petit à petit les héros et comment on gère les armées, etc. etc. Donc ici j'ai d'ailleurs mon armée que je vais aller envoyer explorer un peu par là. On peut fonder une seule ville par territoire et chaque territoire a un biome particulier. Et là bah, vous voyez qu'il y a des points qu'on peut explorer, là c'est des ruines. Ça donne un bonus là à la ville, on voit que c'est ça qui me donne le gros bonus en production. Je peux pas avancer plus loin et j'ai fini mon premier tour. Là on a la défense de la ville, le nombre d'unités qui la gardent, la milice. Là en l'occurrence c'est la milice parce que je suis sorti. Mince, il faut que je définisse la recherche. Donc il y a différentes aires de recherche, hein, jusque tout là-bas. J'ai jamais fini le jeu au passage. J'ai fait des débuts de partie à gauche à droite pour voir à quoi ça ressemblait. Et pour commencer, donc là il y a différents domaines si on veut, économique, guerrier, science et industrie, et puis expansion de l'Empire. Je voulais juste voir quelque chose, est-ce que je suis proche d'une rivière? Pas vraiment, non. Ça m'intéresse parce que j'ai les améliorations par exemple de Aqua Brumici qui me donne un bonus si j'ai des cases près d'une rivière. Donc on va pas développer ça, ça me sert à rien pour l'instant. Hôtel de la monnaie, pour avoir plus de fric pour la collecte de brume donc. Et là c'est pour les extracteurs, les mines à ciel ouvert. Donc on va mettre ça, on peut mettre en file d'attente également pour les alliages avancés. Ça déverrouille les armes en palier, c'est pas ça que je voulais. Ça déverrouille les armures, toc toc toc, objet armurier. Je cherche l'utilisation de ressources cependant, non. Voilà. C'est extracteur de titane, voilà, et de verre d'acier. Ça, c'est des ressources stratégiques qui sont très utiles. Et puis, qu'est-ce que je pourrais... Bon, bah, on va déjà laisser ça comme ça, il m'avertira si j'ai plus rien dans ma file d'attente de recherche. Je peux aussi faire une file d'attente pour la ville. On pourrait mettre un grenier pour la collecte de nourriture. Et puis après, on verra bien. Cette fois, on passe le tour. Voilà. Donc, il y a des quêtes qu'on peut suivre ou pas d'ailleurs, ça amène différents bonus, et d'ailleurs, il y a des quêtes légendaires qui permettent de débloquer des bâtiments légendaires, et puis également, on peut arriver jusqu'au bout si on suit la quête personnalisée de chaque faction, jusqu'à une victoire par cette manière. Donc, l'hiver a été rude, et pas simplement à cause du climat ou de la faim, les rivalités intestines chez les indomptés se sont cristallisées sur la tête qui porte la couronne, la vôtre. Au cours de ces longs mois de glace, alors que l'oisiveté et le confinement pesaient sur chacun, les humeurs se sont emportées et les différences sont nées. Comme toujours, ce sont les chamanistes du clan Sokwa qui attisent les flammes. Nous n'aurions pas dû quitter les forêts, nos dieux vont nous abandonner, nous sommes faibles sans le partage. Mieux vaudrait les appeler le clan Tate, ceux qui parlent trop. Bon, je vais pas tout vous lire, en l'occurrence, mais voilà, il y a du background, ça s'explique, et puis ça motive les quêtes. Donc, en résumé, le revenu d'explorer et d'apprendre, explorer les sites antiques pour y récolter trésors et connaissances. Donc, il faut que j'explore la carte, et je fouille 4 ruines, et j'aurai une récompense de 15 de titane. Voilà un petit peu comment ça se présente, les quêtes. Alors, ici, c'est des ruines intactes. On va aller voir, on va faire recherche. Alors, ces formes élémentaires sont lentes et très sensibles. Alors, c'est une nouvelle faction mineure qui est là. Votre recherche à cet endroit valait la peine. J'ai gagné 5 de titane. Voilà, là, il y a une faction mineure. Là, je suis dans un nouveau territoire. On va avancer, on va continuer à faire de la recherche. Tout petit territoire, on dirait. Du verre d'acier, c'est nickel. Voilà, ils sont là, en haut à gauche, le titane. J'en produis pas parce que j'ai pas de mine et puis j'ai pas les technologies pour les découvrir. On va aller au nord voir ce biome glaciaire. Oui, au passage, tiens, je vous ai pas montré là, c'est l'écran de gestion. Là, il y aura les stratégies d'Empire. On utilise des points qui sont là en haut, qui proviennent des villes. Il y a différents moyens d'augmenter la production.
Et je pourrais orienter dans ce graphique, on va dire quoi, l'accent sur par exemple la guerre ou l'économie, ça me donnera différents bonus. Je pourrais choisir une prochaine stratégie dans 18 tours. Là, en gros, c'est un résumé global de mon empire actuellement. Statut, on s'en fout. Ici, c'est la liste des villes, avec la faction mineure qui est dans mon territoire. J'ai aucun héros actuellement. Ma ville, ce que ça construit, etc., etc. La science, on l'a vu tout à l'heure. Ça, c'est les quêtes. Donc, quête de faction, c'est explorer maintenant. Et dès que j'aurai exploré encore deux runes de plus, voilà, je viens d'en explorer deux, bah, j'aurai accompli une quête. Ça, c'est le héros que j'ai actuellement. Donc, les héros, c'est des unités qui donnent différents bonus qu'on peut équiper aussi et qui prennent de l'expérience. Ils ont un arbre de compétences. Actuellement, j'ai pas de points à distribuer, il n'y a pas eu de combat. On peut en acheter également, c'est pas mal foutu. Les unités militaires avec le héros qui dirige le chasseur. Et puis là, pour l'instant, au niveau diplomatique, il se passe rien. Et puis le marché, j'y ai pas encore accès. Alors, on ferme tout ça et on passe le tour. Maintenant que les connaissances sont faites, ou les présentations plutôt. On va continuer à avancer, le tour est passé. Voilà, il y a encore des ruines à aller explorer. Rien trouvé d'intéressant. Il faut que j'explore encore une ruine et j'aurai accompli la première quête. Qui est résumée en haut à droite d'ailleurs. Hein. Je peux y accéder comme ça. Interface très bien faite. Il y a eu pas mal de débats suite à Civilization, c'est vrai, vous voyez, j'ai commencé une série Let's Play, mais j'ai un petit peu de la peine à la continuer parce qu'il y a assez peu d'intérêt autour, et moi-même, je commence à en avoir assez peu, donc est arrivé une Let's Legend qui sans vraiment revisiter le genre, mais apporte vraiment un souffle nouveau, et toutes sortes de mécaniques relativement originales qui s'imbriquent bien entre elles, avec un univers assez sympathique qui mélange autant de la magie qu'un petit peu de science-fiction. Et ça, c'est vraiment bien. Alors là, il y a une faction mineure. Je vais pas les attaquer. Là, je suis vraiment pas assez puissant. J'ai pas envie de perdre mes unités. Normalement, si j'embête pas, on m'embête pas. On va tenter de contourner, de passer par là-bas en haut. Vous voyez qu'il y a du relief. Hein, ça impacte sur la manière dont on bouge. Alors, Tlatomozipakwa 3, c'est donc mon héros. Il a gagné de l'expérience. Donc, il y a un arbre de compétences pour les classes, qui est commun, ou pour la faction. Donc là, ça me donne moins 2 de recherche d'affectation sur le héros. Le héros indompté peut se priver de sommeil, ce qui lui permet d'enchaîner les différentes missions. Bon, agence touriste. Level 1 réduit 10% les chances de ne rien récupérer après une fouille. Et puis là, c'est plus un déplacement sur les unités. Alors on va prendre du déplacement. Et on applique. Ça, c'est la population qui a augmenté. Donc c'est bien que je le sache, parce que je voulais améliorer ma production. Vous voyez qu'il me reste 2 tours. Je pourrais aussi payer, hein, en payant 39 de brume. Là, j'ai 69 plus 4 par tour, mais on va économiser un peu encore. Et là, ça fait pas avancer plus vite, en l'occurrence. Parfois, oui, mais là, il faut peut-être que je passe un palier. Voilà, il en faudrait 2. Mais on va garder ça pour la production de nourriture. Sinon, le prochain tour, il me faudra 3 tours de plus pour augmenter ma population. Ce que je ne veux pas actuellement. Fin de tour. Hôtel de la Monnaie, oui, donc terminé au précédent tour, le creuset d'alchimiste et les recherches. Très bien. Allez, on va aller explorer là-bas. Et j'aurais terminé la quête, normalement. Ça m'a filé de la brume. Et voilà, 15 de titane. Vous vous émerveillez de ces œuvres du passé autant que vous les craignez. Vos idées se tournent vers la défense. Donc, visiblement, c'est un monde qui a une longue histoire, où il y a beaucoup de ruines, mais pour une raison que j'ignore, qu'on va peut-être découvrir, il se meurt. Et puis là, tout le monde sort pour récupérer les dernières ressources qui restent et puis tenter de s'échapper ou de survivre ou de se transcender, j'en sais rien. On verra. Alors, ça c'est la nouvelle quête, nouvelle fondation. Votre empire doit s'étendre et pour cela vous aurez besoin d'aide. Prenez contact avec une faction mineure voisine, assimilez-la dans votre empire par la paix ou la force. Ok. Et ça sera vision de gloire, la récompense. Ça me donne de l'influence en plus. Ok. Alors, on va revenir par là-bas. Explorer par le nord et revenir ici. Là, dans un tour, j'ai mes monuments qui sont construits. Ah oui, au passage, là, on voit le classement. Monument du fondateur, c'est bon. Donc, sur Erad. Oups, là, non. Toi, tu vas aller
faire de la recherche. J'ai trouvé une nouvelle faction, les sans-yeux. Si je les assimile, voilà, bah, ça donne des bonus au niveau de... comment dire, du soutien à la population. 5 de titane à cet endroit-là. Alors, on va continuer à aller vers le sud. Vous voyez, il y a toutes sortes là. Ici, c'est un gisement de titane. Donc, ça veut dire que théoriquement, si j'en ai sur mon territoire, je le verrai. Visiblement, j'en ai pas sur mon territoire. Ça s'affiche de manière assez visible, normalement. Non, il n'y a pas. Je peux encore avancer, oui, un peu par là. Ah, bon, il y a de l'océan. Je vais essayer de contourner par ici. Quoique, j'aimerais bien savoir ce qui se passe là. Non, peut-être je vais revenir sur mon territoire. Et puis, je pourrais essayer peut-être d'attaquer. Qu'est-ce que je peux construire en plus? Alors, niveau nourriture... Ok, j'ai bientôt... Ce serait pas mal, j'ai de la nourriture en plus, quand même. Bon, il y a le grenier qui est en train de se construire. Satisfaction, système d'assainissement. Ouais. Musée. Plus 20% pour la brume. Je vais quand même construire un autre chasseur. Ensuite, ça donnera du fric en plus. Ça me permettra d'accélérer les productions. Et ça, c'est pour la nourriture. Voilà. La file de production est blindée. On va pouvoir explorer un peu plus vite. Voir ce qui se cache là tout au nord. Bah voilà, il y avait quelque chose quand même. On recherche. Alors, un peu de brume. J'en suis à 145 au total en stock. On peut plus avancer. Fin du tour. Et donc, dans la dernière extension qui est sortie là il y a un mois et quelques, il y a des gardiens. Guardians, amazing. Et ces unités-là sont absolument énormes, visiblement. Je me réjouis de voir à quoi ça ressemble. Une nouvelle faction mineure, des hanteurs. Là, on voit les effets de l'assimilation si on leur tombe dessus. Mais c'est juste à côté. Donc, on va avancer par là pour les prochains tours. Aller visiter ce coin-là. Et puis, commencer à penser à s'étendre. Mais là, il me faut plus de population. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est la population qui a augmenté, je viens de voir. Je laisse en production. Ouais, non, je laisse là de la nourriture. Ce qui me faut encore 9 tours pour passer à 4. Ce qui est relativement long, vous en conviendrez. Voilà, la file d'attente de recherche est vide. J'ai terminé les greniers à graines. Qu'est-ce qui me serait utile? Ça, c'est quand c'est en bleu, c'est déjà recherché. Là, il y a des actes légendaires aussi qu'on peut faire. Ça, c'est nouveau, je ne connaissais pas du tout début. Soyez le premier à détruire au moins 10 armées pour gagner la récompense. Et la récompense, c'est quoi? Toc, 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 en jeu, technologie, plus 15% initiative sur les unités, d'accord. Bon, et puis là, soyez le premier à activer 3 boosters de ressources. Voilà, il y a des ressources qui donnent des boosters. On verra si on en chope. Et puis, acte légendaire. C'est... Classement, je suis premier. Soyez le premier à construire le bâtiment légendaire afin de bénéficier de ses effets. Ok, bon, on verra si on arrive à construire un bâtiment légendaire aussi. Ici, il faut pas négliger trop la recherche. Les bibliothèques, ça serait bien d'en construire. Chaman, pour les armées... Et puis ça, dans les zones où les ressources demeurent cachées, des troupes peuvent être envoyées à la recherche de butin. Bon, pas vraiment envie pour l'instant. Et puis ça, c'est pour les extracteurs. On va rechercher en troisième position. Mais pour l'instant, j'ai rien à extraire. Ouais. Une nouvelle faction. Ok. Là, je peux explorer. Ouais. Rien trouvé. Merde, fais chier. Ah oui, un truc que j'aime bien, voilà, c'est quand on dézoome, la carte devient un petit peu genre old school. Et puis, hop, là, on resume dessus. Faction mineure, bon, on va rester tranquille. Est-ce qu'il y avait moyen de voir plus facilement si on a des ressources? Ah oui, à cette distance-là, voilà, là, on voit que ici il y a du verre d'acier. Là, il y a du titane, alors peut-être faudra que je m'étende ici. Dans toutes ces zones là. On va descendre encore au sud. De toute manière, c'est pas le moment pour l'instant. Voilà.
Et les déplacements sont vraiment influencés par le relief. Là, je peux pas aller plus loin. Une nouvelle faction mineure. Le tour est fini. Oui, donc on disait le classement avant. Oui, bon, voilà. C'est le début de partie, on va dire. Tout le monde se tient à peu près. Là, il y a du verre d'acier. Village, ok. Ce que je sais pas encore très bien, c'est le type de biome, si ça apporte plus ou moins de production, nourriture. Là, on imagine ça a l'air d'être un peu désertique. Ça doit pas rapporter d'énormes trucs, ça c'est quoi? Des pierres râleuses. Dans ce lieu à l'activité géologique constante, les promenades sont à éviter, mais l'extraction minière est conseillée. D'accord, ok. Là, je suis en train de construire un chasseur. Ah mince, j'ai oublié de faire avancer. Quel imbécile! Ah, là. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah voilà, j'ai quand même quelque chose. On va faire un hôtel de la monnaie. Et là, on va explorer. Rien trouvé d'intéressant. Bon. Donc maintenant, ici, je peux construire un extracteur de titane. Là, je peux accélérer pour 145. Allez, on booste. Il me faudra un système d'assainissement pour... ouais, pourquoi pas. Et puis oui, une extension. Ça, tous les deux de pop, je peux faire une extension. Donc là, le rendement total, il est de 9, 8, 9 et 2. 14 assez pour la nourriture. 5, 8. Ouais, c'est presque ici, là, le plus équilibré, puis qui rapporte le plus. Donc il y aura une extension de quartier ici. Mais ça va prendre, bah voilà, 19 tours à partir de maintenant. D'où le petit coup de boost de 4 tours qu'on a mis là. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est dans 6 tours, donc on va se permettre d'en mettre un en production en plus. Ce qui raccourcit de 3 tours la durée totale de production de la file. Alors, lui, il a gagné de l'expérience encore. Donc ça c'est pour le déplacement. Plus 1 de visibilité, vue perçante. Ouais, c'est bien, on va dire qu'il explore. C'est pas trop mal. Ici, bon, voilà, la population qui a augmenté, on vient de voir. Je vais bientôt pouvoir choisir une stratégie. Donc avec les 23 points que j'ai accumulés ici, hôtel de la monnaie, c'est fait. Je suis à plus 11 par tour. Donc ça, c'est les productions de... Comment ça s'appelle déjà? Ah, on se souvient plus. Bon, on va voir ça avec les stratégies. Les points de... d'influence? Je crois que c'est ça. Et puis moi, je les laisse là, en stand-by, sans rien foutre. Qu'est-ce que je peux aller d'ailleurs examiner? Donc là, je pense que j'aurai le temps de me développer. Ouais, c'est par ici, là, à l'est. Ou alors, je vais aller bastonner le village là en haut avec l'unité de chasseurs que j'ai construit. Alors, pour les sortir, il faut les créer en armée. Ça, j'ai mis du temps à comprendre au début. Sinon, il n'y a pas moyen de les faire sortir de la ville. Et puis, on peut les fusionner dans un deuxième temps, d'ailleurs. Ouais, on va les mettre ici. Pour le prochain tour. Alors vous allez voir, pour les combats je les fais souvent en automatique en fait. On peut faire un mini combat stratégique, mais moi je sais pas, ça me saoule un peu. Alors vous me direz si c'est complètement noob, je vais voir quelques vidéos ou pas, ou si on peut faire mieux que ça. Mais enfin, c'est la manière que j'ai de faire. Peut-être avec dans les combats pour les vraiment importants, ça vaut la peine. Je ne sais pas. En tout cas là... on va les attaquer. On va les attaquer. On est 3. On va voir ce que ça donne. Ouh. J'ai les renforts de la milice, mais là, quand on regarde là, le combat, il est loin d'être gagné. Hein. Je sais pas si ça va marcher. On va se mettre dans une stratégie défensive. Je me mets en auto. Je le fais pas en manuel. Pour les raisons que je viens de vous donner, qu'ils soient bonnes ou mauvaises. Et puis, bah, si jamais vous trouvez que c'est vraiment stupide, et bah, j'essaierai de faire des combats différemment. Allez, go. On les a butés. Alors, on était plus. Hein. D'habitude, j'engage pas trop les combats quand c'est comme ça, mais j'ai remarqué que souvent, au début, on peut les tuer facilement.
Ça m'a fait gagner 5,8 XP par unité. Et puis là, on va aller rusher sur leur village pour le détruire, afin de pouvoir l'assimiler, avoir un petit bonus, je sais plus dans quoi d'ailleurs, et avancer dans la quête de classe, ou de nation, ou de... comment on les appelle? Nouvelle fondation, quête de faction, voilà. Que ça soit clair. Alors, ils sont pas trop mal en points, ok. Au prochain tour. Alors là, ça veut dire, voilà, c'est ce que je veux dire, développement de la stratégie d'Empire, avec les points d'influence, hein, très clair, donc pour le militaire, pour l'économie, la population, l'expansion, un peu plus de brume pour me booster tout ça, allez. J'ai 33 points, je peux pas faire plus, il m'en faudrait 40 pour mettre deux stratégies en même temps. À l'attaque! C'est un peu chaud, hein. C'est un peu chaud. Ouais, j'ai perdu une milice, mais... Donc, ils venaient de la ville, hein. Elle n'était pas avec moi. Et là, ils sont rasés. Donc, ce que je peux faire, c'est aller dans ma ville et mettre, normalement, voilà, Silic. Je vais construire un village dessus. Et ensuite, je pourrais les assimiler. Est-ce que je peux... il faut d'abord que je construise le village. Emplacement vide. Cliquez pour assimiler une nouvelle faction mineure. Donc là, je crois que c'est bon. Ah, mais il me faut des points d'influence pour ça. Bon, bah ça sera pas pour tout de suite. Fin du tour. Extracteur de titane, c'est le prochain à être construit. Nickel. Alors, eux, c'est bon. Le héros, il a un petit peu... Il a quand même un peu pris. On va aller voir ce qui se passe par là-bas. Là, ah, j'ai 5 en population maintenant. Est-ce que je... 6 tours, la production, ça va relativement vite. Si j'en mets un là, ouais, je gagne un tour. Je pourrais construire l'extracteur de titane. Voilà, bon, j'ai plus du tout de fric. Ensuite, c'est un bâtiment légendaire, voilà. Je pourrais... Du rendement. Attendez, pas me lancer tout de suite là-dedans. Pas sûr de vouloir faire ce bâtiment légendaire. Il faut d'abord que je construise là-bas Silic. Ça, je l'avais pas lancé. Et puis un colon. Colon, voilà, ce sera dans 15 tours. Je peux pas accélérer l'extension urbaine. De toute manière, j'ai plus d'argent. Ok. Ça se soigne tout seul, je crois. C'est héros. Où est-ce que je dois... Ah, je m'en souviens plus. Repos. Non, je vais pas le révoquer. Bon, on va voir comment ça se passe au prochain tour. Non, il se régène, évidemment. L'extracteur de titane est en route. Et on avance vers l'est. Ouais. Ici, là, j'aurais quoi à disposition? Il y a des villages. Il y a du verre d'acier. Et là, j'ai déjà du titane. Ça serait intéressant de venir par là. Ça serait assez intéressant. On va voir ce qui se passe un peu plus loin. Fin du tour. 23e tour. Ça va bientôt être l'hiver, je pense. Sans vouloir paraphraser vous savez qui. Ah tiens, on va faire un petit détour par là-bas en haut. Il y a un village. Voilà, je suis à 94... Non, c'est pas moi, je suis à 72. Voilà, tranquillou, je passe par le village, ni vu ni connu. Recherche, allez. Voilà, ça faisait un moment que je ne chopais plus rien. Oh là, il y a des arachnoïdes, Là, on va tracer encore là, vers le nord, du coup. J'ai encore croisé aucune autre faction. Endroit vide, magnifique. Bon, ça fera un peu d'XP. C'est quoi ce machin? Joli. Arbre doré. Les spores de brume poussés par le vent, etc. Eh ben, ouais, ça donne pas mal de bonus si on fait une ville par là. Je crois que j'ai envie de m'étendre. Vous voyez le genre, faire un truc un peu comme ça. Si jamais ça vient de là, comme ça, je me serais établi dans le coin. Et puis, je pourrais me réétendre sur le derrière, là.
Ouais, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, ça c'est évidemment susceptible de changer parce qu'il y a toujours des imprévus dans ce genre d'histoire. Mais écoutez, voilà, je crois qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode. J'espère que la patte graphique, l'univers, le côté stratégique, micro-gestion et on a encore de loin pas tout vu vous aura plu. J'attends éventuellement vos commentaires sur la manière de combattre. Hein. Moi, je préfère avancer rapidement. C'est pas vraiment l'aspect du jeu qui me plaît le plus. Peut-être que j'ai tort. Si oui, dites-moi pourquoi. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, soirée, nuit, etc. C'était DRKL36 sur Endless Legend. À très bientôt. Ciao.